Bonsoir, bonsoir, bonsoir! Bonsoir les amis, est-ce que vous m'entendez? Alors j'attends un petit peu et ensuite on démarre. Alors aujourd'hui je vais vous parler effectivement du bouquin Unshakable qui est sorti dans toutes les bonnes librairies de Dubaï aujourd'hui. Hello Anil, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, Unshakable, sympa, très sympa. C'est un résumé de son bouquin Money Master the Game, donc effectivement qui est un gros, gros, gros pavé, vous voyez ici, bien surligné, pas mal de notes. Moi j'aime bien, alors je sais pas si effectivement c'est le cas de beaucoup de personnes parmi vous. Moi ce que je fais c'est qu'effectivement mes bouquins, je rayure, je note, effectivement, j'annote pardon, pas mal mes bouquins, je surligne et puis ça me permet effectivement d'avoir toujours mes bons réflexes, etc. Donc c'est super important. Salut Colline, salut Nabil, salut tout le monde, est-ce que vous avez la pêche? Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est très important, l'investissement boursier. D'accord? L'investissement boursier c'est probablement la manière la plus efficace de devenir libre financièrement sur le long terme. Je m'explique. Les gros investissements, les grands investissements les plus connus, c'est la bourse, c'est l'immobilier. D'accord? L'immobilier, c'est sympa, il y a des coûts à faire, il y a des choses intéressantes, mais le problème de l'immobilier, c'est lourd, ça demande du temps, ça demande des moyens, ça demande un crédit bancaire, etc., etc. C'est pas aussi simple que ça paraît. Et une fois que vous avez effectivement le local, après, bien évidemment, il faut avoir les bons locataires, il faut pas se faire avoir, il faut parfois effectivement faire des travaux. Si vous tombez sur un mauvais locataire, vous pouvez avoir de gros, gros soucis. Donc le problème, c'est que si vous n'êtes pas vraiment dans l'immobilier, si vous n'avez pas diversifié votre risque, vous avez vu effectivement l'interview que j'avais faite avec Nicolas qui était géniale. Nicolas, il a acheté 5 appartements. Et deux appartements, il a eu de gros soucis avec des locataires qui ne payaient pas, avec des locataires qui ont pourri son appartement, etc. Et il a été honnête, il m'a dit, voilà, je suis flat. Il m'a dit, c'est vrai que si j'ai un troisième locataire qui me fout la merde, je serai vraiment dans une situation pourrie. Maintenant, j'ai diversifié, c'est-à-dire qu'il a diversifié son risque. Mais combien de personnes parmi vous sont capables d'acheter 5 appartements et de diversifier leur risque? C'est pas aussi simple que ça. Et le problème de l'immobilier, c'est que c'est quand même un processus lent, un processus lourd, et c'est un processus où il y a des données qu'on ne maîtrise pas. Je m'explique. L'immobilier, par exemple, à Paris, dans les années 90, avait fait du surplace pendant 10 années. 10 années, il n'avait rien fait. Alors, les années 2000, ça a explosé, mais dans les années 90, ça n'avait rien fait. Beaucoup de personnes qui ont acheté au mauvais moment, pendant 10 ans, elles n'ont rien fait, et surtout, effectivement, elles sont coincées. C'est-à-dire que si vous avez un crédit bancaire, d'accord, et que vous avez un locataire qui est un salaud fini, comment vous faites? Sachant que vous avez effectivement des traites, vous avez un crédit, et que si effectivement votre loyer n'arrive pas, vous êtes serré. Alors vous allez me dire, ouais, mais Tammy, il faut prévoir. Oui, je suis d'accord, mais tout le monde ne prévoit pas. Mais c'est le gros problème de l'immobilier. Donc ça demande quand même un certain, comment dirais-je, savoir-faire, une certaine technique et un certain travail. Il faut être sûr et sur ce domaine, il faut bien le maîtriser, il faut faire ses recherches, il faut surveiller ses locataires, il y a quand même de l'administratif, etc. Ensuite, il y a le deuxième placement, c'est la bourse. Alors pourquoi je dis que ce placement est incroyable? Parce que depuis un siècle, la bourse, elle a fait en moyenne 10% par an. Sachant que si vous investissez, vous achetez un ETF ou vous achetez un marché, le S&P, ou le DAX ou le CAC, peu importe. En fait, vous faites ça et ensuite vous ne touchez pas. Et c'est ce que je vais vous enseigner. Alors pour les Técaliens, je vais vous enseigner à Técal Bourse pas mal de choses. Ça, c'est vraiment le B.A.B.A. C'est la base de chez base de chez base. Si on achète le marché et on ne fait rien, on bat déjà, en faisant ça, on bat 96% des gérants de portefeuille. Croyez-moi ou pas, c'est incroyable. On bat 96% des gérants de portefeuille. On fait mieux que 96% des gérants de portefeuille. Pourquoi? Parce que les gérants de portefeuille, premièrement, ils sont obligés d'être tout le temps investis. Deuxièmement, ils vont vous facturer des fortunes. Troisièmement, ils ont plein de frais de courtage. Alors qu'en investissant sur le marché, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y a pas des transactions parce que c'est en fait qu'est-ce qui va peser sur votre performance? Ce sont toutes ces transactions.
Par contre, si effectivement vous investissez à long terme, vous fermez les yeux et vous gardez et vous tenez, eh ben, vous pouvez faire bien mieux que n'importe quel gérant de portefeuille et encore mieux que l'immobilier. Maintenant, beaucoup de personnes ne le font pas parce qu'il y a la psychologie, parce qu'elles n'y croient pas, parce qu'elles n'ont pas la discipline, parce qu'elles ne le savent pas. Et c'est pour ça que c'est important. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la puissance de la lecture. Je pense que beaucoup de personnes font des erreurs parce qu'elles ne savent pas ce qu'il faut faire ou elles ne le savaient pas. Mais une fois qu'on sait ce qu'il faut faire, ça règle tout et on est capable de mettre en place une stratégie. C'est pour ça que c'est important de se former, notamment dans des domaines aussi pointus. Parce que si on ne se forme pas, on risque de le payer très cher. Salut Loubna, bonjour, bonjour, bonjour. Non, c'est bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc, c'est vraiment important. Alors, pourquoi moi, je vous parle de ce bouquin, hein. Pourquoi j'ai aimé ce bouquin ? Tout d'abord parce que Tony Robbins, le gars, il n'a rien à voir avec la bourse. On est d'accord ? Le gars, c'est un coach. Ce n'est pas un trader, ce n'est pas un ancien gestionnaire. Le gars, il n'a rien à voir. Il a des années-lumière de la bourse. Quand on entend parler de Tony Robbins, on pense à la marche sur le feu. On pense à un gars qui est énergique. On pense à un gars qui a conseillé Bill Clinton et pas mal de chefs d'État. On ne pense pas à quelqu'un qui fait la bourse. Et alors, Tony Robbins, il explique la chose suivante. Il dit, voilà, il a vécu jeune, il était très pauvre. Il a eu 4 papas, sa maman elle était alcoolique et il avait même pas d'argent pour aller à l'école, donc il a vraiment vécu dans la misère, ok. Et puis il dit aujourd'hui je suis riche, effectivement, bon, le gars il est multimillionnaire. Il dit je suis riche, mais j'ai vu la crise de 2008 et j'ai vu plein d'Américains se retrouver à la rue, plein d'Américains du jour au lendemain, les gars on les a éjectés. Salut Vincent, plein d'Américains on les a éjectés. D'accord ? On les a mis à la rue du jour au lendemain. Et pourquoi on les a mis à la rue ? Parce qu'ils ont fait confiance à des salopards de conseillers financiers qui leur ont dit « Endette-toi, emprunte, investis dans l'immobilier et tu vas t'enrichir très rapidement. » Et ces bons pères de famille, ils se sont dit « Ouais, je vais faire confiance à mon banquier, je vais faire confiance à mon conseiller financier. » Et est-ce que c'est le banquier qui se retrouvait à la rue ? Non, c'est le gars qui a fait confiance à son conseiller financier qui se retrouvait à la rue. Et Tony Robbins, il a dit, moi, je ne veux plus de ça. Et c'est pour ça que c'est d'une certaine manière une croisade contre le système financier actuel. Et moi, j'adore cette idée selon laquelle, justement, c'est important de dénoncer, c'est important de le dire, et des personnes qui ont la possibilité de le faire doivent le faire. D'accord ? Et moi, je sais que, voilà, j'ai beaucoup parlé des CFD, ça m'a créé malheureusement beaucoup d'ennemis. Ça m'a mis un petit peu en minorité dans le monde, entre guillemets, financier francophone, même si je me sens en majorité, puisqu'on est la première chaîne YouTube du monde de la finance, ça veut tout dire. Mais, c'est intéressant. J'ai dit quelque chose que beaucoup de gens ne voulaient pas que je dise. Ça veut dire que les particuliers qui font des courtages CFD et qui payent des fortunes sur les courtages, leurs probabilités de succès sont proches de zéro. D'accord ? Alors, beaucoup m'ont dit, ouais, mais Tami, me l'ont reproché, tu nous permets pas de rêver, il faut rêver. Je leur ai dit, justement, moi, j'ai pas envie. Encore une fois, c'est votre argent, c'est votre épargne. D'accord ? C'est votre épargne. À un certain moment, il faut savoir ce que vous faites avec votre argent. Donc, moi, la manière la plus facile pour moi de m'enrichir, ça aurait été de dire, allez-y, allez chez les courtiers, payez 5 euros de commission, payer des fortunes, et moi ça me fait de la pub énorme, ça me fait une grosse exposition et beaucoup d'argent. Maintenant, je ne vais pas dire, je ne me plains pas, et je suis effectivement également, voilà, je fais des belles choses, mais comme Tony Robbins, ce qu'il a dit, en fait, il faut gagner sa vie en apportant de la valeur aux autres, c'est-à-dire en aidant les autres. C'est, gagner sa vie en écrasant les autres et en leur disant, voilà, tu fais n'importe quoi et tu vas droit dans le mur, bah, c'est nul, je suis désolé. Maintenant, si effectivement on gagne de l'argent en apportant de la valeur et en aidant les autres à exploser dans leur vie ou à exploser dans leur carrière ou à devenir libre financièrement, ben, il n'y a pas mieux. Et donc moi, c'est ce modèle que j'ai appliqué dès le départ. Je me suis dit, je ne veux pas de conflit d'intérêt. Je suis totalement indépendant. Et encore une fois, ça m'a joué des tours, mais c'était une bonne chose à faire. Je sais que tout ce petit monde regarde mes vidéos, qu'après cette vidéo, je vais avoir soit des dislikes, soit des remarques, etc. Mais je m'en fiche. Je pense que vous l'avez compris. Ce n'est pas leur point de vue qui m'intéresse. C'est qu'est-ce que je dis et en quoi c'est important pour ceux qui me suivent.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si effectivement je vous disais, allez chez Trucmuche Machin, il y a beaucoup parmi vous qui vont me suivre, qui vont me faire confiance. Mais quelque part, je vous aurais trahi. D'accord? Par contre, en disant, voilà, moi, c'est vrai que je suis minoritaire. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que j'ai eu des nuits où je n'ai pas fermé l'œil parce que des insultes, des attaques, etc. Il fallait gérer tout ça. Mais derrière, bah, je suis toujours là. Et les gars, s'ils veulent m'attaquer, ils m'ont déjà attaqué. J'ai eu des hackings, j'ai eu tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Mais le principe est le suivant. C'est au final, est-ce que je suis fier de moi ou pas? Et est-ce que j'ai partagé le message que je voulais partager? Et Tony Robbins, c'est ce qu'il dit en substance. Il dit, quand par exemple, vous allez chez un conseiller financier, croyez-moi, le gars, il ne va pas vous donner le meilleur investissement. Il ne va pas vous conseiller le meilleur investissement. Il va vous conseiller l'investissement qui va lui permettre de gagner le plus d'argent. C'est là où il y a un conflit d'intérêt. On est d'accord? C'est là où il y a un conflit d'intérêt. C'est-à-dire, si par exemple, vous allez chez quelqu'un et il vous dit, ouais, tu vas chez tel courtier, mais que je sais en plus que je vais gagner de l'argent, ben, on est bien d'accord qu'il y a un problème, il y a un souci. Et l'idée, elle est là, c'est éliminer ce conflit d'intérêt, faire en sorte que le conseiller financier, parce qu'on en a besoin des conseillers financiers, vous donne de vrais conseils, vous dise, voilà, tel est le meilleur investissement pour telle raison, et ensuite, fais-le. Donc, Tony Robbins, il revient sur cette dimension et il revient justement sur l'industrie financière. Et il reprend John Bogle. Je ne sais pas si vous connaissez John Bogle, c'est le président de Vanguard. C'est énorme, ils ont été créés en 1974 et c'est les premiers à avoir lancé des fonds indiciels. C'est-à-dire que Bogle s'est dit à l'époque, il s'est dit « Ok, c'est bien tout ça, c'est bien les gérants, etc. » Mais moi, j'ai envie juste de créer un truc qui duplique le marché, qui ne va pas coûter cher et que n'importe quel investisseur lambda pourra acheter à pas cher. D'accord? Et c'est vrai que les ETF de Vanguard, ça peut coûter, par exemple, vous achetez les indices, ça va vous coûter 0,05% ou 0,1%, ce qui est rien. Quand vous comparez à, comment dirais-je, à des SICAV, les SICAV vont vous facturer 3%. C'est quoi la différence? Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas beaucoup, Tammy. C'est comme les commissions, ouais, c'est pas beaucoup. En fait, ça peut représenter des centaines de milliers de dollars ou d'euros sur 20-30 ans. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'effectivement, l'argent que vous auriez pu mettre de côté pour assurer vos vieux jours, en fait, c'est la banque qui le bouffe. La banque, elle vous dit, non, non, c'est à moi. Elle prend la plus grosse partie du gâteau et elle vous laisse une petite partie du gâteau. Juste de quoi survivre. Et le pire, c'est que c'est vous qui prenez le risque, puisque c'est vous qui investissez sur les marchés. Et c'est elle qui gagne le gros du lot, du gâteau. Donc, je m'explique. Vous prenez le risque, vous investissez. À la fin, vous gardez 33%. La banque, elle va garder 60%. Et c'est là où on se dit, mais c'est incroyable. C'est la seule industrie de la planète où en fait, on est rémunéré pour vous donner de mauvais conseils. Incroyable mais vrai, la seule industrie de la planète où les banquiers sont rémunérés grassement pour vous donner des mauvais conseils. Truc de fou. Et ils vont vous dire, achetez tel SICAV, achetez tel fonds de commun de placement, pas parce que c'est bien pour vous, parce que c'est bien pour eux et qu'ils vont avoir des commissions. C'est un truc de malade. Et donc, Tony Robbins, il explique, il dit, ouais, mais bon, les banquiers ne sont pas méchants, mais ils sont dans un système. Le système, il les pousse. Le système, il les pousse à vendre ce type de produit. Et vous, particulier, vous arrivez, vous ne comprenez rien. Vous ne maîtrisez rien. Le banquier, il vous raconte n'importe quoi. Vous allez lui dire, ouais, le gars, c'est un banquier. Il sait ce dont il parle. Donc, je vais lui faire confiance. Mais il ne faut pas lui faire confiance. Parce qu'à la fin, 70% de votre gâteau, il est chez le banquier. Et vous ne gardez que 30% du gâteau. Eh bien, moi, j'ai trouvé que c'était super courageux de sa part de le faire. Et c'est super important. Et ce qu'il disait, moi, c'est très juste. Je pense qu'effectivement, beaucoup de personnes vont galérer pour avoir une retraite. Beaucoup de personnes vont souffrir durant leurs vieux jours. On va vivre de plus en plus vieux. On va vivre jusqu'à 90 ans, jusqu'à 100 ans avec les progrès de la médecine, avec tout ce qui se passe. Et le problème, c'est que les États sont aujourd'hui de plus en plus en difficulté. On ne sait même pas si on aura un boulot avec la robotisation, l'automatisation.
Donc on se retrouve dans une situation inédite dans l'histoire économique. C'est-à-dire qu'on va vivre longtemps avec de moins en moins de moyens. Et la meilleure manière d'assurer ses arrières, j'ai parlé de l'immobilier, c'est la bourse. La meilleure manière d'assurer ses arrières, c'est d'investir en bourse. Et c'est effectivement d'avoir des placements qui vous permettent effectivement d'avoir suffisamment de quoi assurer vos vieux jours. Parce que la bourse vous permet la puissance et permet de faire jouer la puissance des intérêts composés ou des rendements composés. C'est-à-dire que vos profits, chaque année, vous les réinvestissez et il y a un effet boule de neige. C'est-à-dire année après année après année, vous investissez 50 000 dollars, ça devient 1 million. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, vous réinvestissez tout ça. Donc, c'est énorme. Tout à fait. Alors, le CFA, moi, j'ai envie de dire, voilà, le problème de toute cette industrie, c'est que c'est bâti sur du vent. C'est qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont surdiplômées, très brillantes, etc. Mais elles vous vendent du vent. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, elles vont gagner énormément d'argent en vous vendant du vent. C'est ça le malheur de cette industrie. C'est qu'effectivement, on va vous dire, ouais, investissez dans tel produit parce que c'est génial. Mais derrière, vous allez perdre et eux, ils vont gagner. Et le problème, il est là. Et donc, est-ce qu'il faut une régulation ? Est-ce qu'il faut mettre un gros coup de pied dans la fourmilière et dire aux banques, allez-y, il faut arrêter de déconner, etc. C'est pas évident parce que les banques, elles ont quand même un gros pouvoir, c'est un lobby. Elles sont capables de tenir des hommes politiques, des présidents. Hein. Donc, changer ça du jour au lendemain, ça va être impossible. Par contre, la révolution, elle peut se faire de différentes manières. Elle peut se faire également en éduquant les gens, en leur disant, voilà, il y a des manières de faire qui sont bien plus intéressantes que d'investir dans une SICAV ou que d'investir dans un fonds commun de placement. Donc, l'éducation, c'est la meilleure arme contre, justement, ces personnes qui vont vous vendre n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Le fait de savoir ce qu'il faut faire, le fait d'avoir un recul, c'est-à-dire vous êtes capable d'avoir votre propre opinion, de créer votre propre portefeuille, d'avoir vos propres stratégies, ça vous donne un pouvoir parce que vous n'êtes plus dépendant du banquier. C'est comme je vous l'avais raconté la dernière fois, je vous parlais du garagiste. Vous allez chez le garagiste, il vous raconte n'importe quoi. Mais vous êtes obligé de le croire. Si vous ne connaissez rien à la mécanique, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez lui dire « Non, mais tu me racontes n'importe quoi. » Si vous ne connaissez rien à la mécanique, vous êtes obligé de lui dire « Ouais, ouais, je te crois, répare le truc. » D'accord ? Mais au final, le gars, il va vous facturer des fortunes. Ben, la même chose en banque. Alors, et c'est là où la finance, c'est important de la comprendre. C'est important, effectivement, de la maîtriser. Parce qu'encore une fois, c'est pas pour spéculer. Là, je ne vous parle pas de spéculation. Là, je vous parle d'assurer vos arrières, d'assurer vos vieux jours, d'assurer les vieux jours et également l'avenir de vos enfants, de pouvoir effectivement leur payer des études et de leur offrir des conditions décentes. Et c'est important d'investir et c'est important de maîtriser les fondamentaux de l'investissement. D'accord ? Donc, je suis vraiment, comment dirais-je, content de ce bouquin parce qu'effectivement, il y a des personnes qui en parlent, mais très peu, très peu. Et Tony Robbins, il a quand même une importance dans le monde du développement personnel. Il a interviewé certains des plus brillants financiers de la planète, comme Ray Dalio, un gérant de hedge fund. Je vais d'ailleurs évoquer cela dans la formation TKL Bourse. Je vais revenir sur sa stratégie. On va aller beaucoup plus loin. Ça va être, je pense qu'effectivement, pour ceux qui vont suivre le programme TKL Bourse, vous allez vous régaler. Mais à la fin, vous serez réellement indépendant. C'est ça le plus important. C'est à la fin, vous comprendrez plein de choses et vous pourrez mettre en application tout ce que je vais vous enseigner et développer des stratégies extrêmement puissantes. Et ces stratégies, elles vous permettront d'y voir plus clair et de ne pas paniquer. Parce que, autre point que développe Tony Robbins, qui est super intéressant, mais ça, je le savais, mais c'est intéressant de voir ce point de vue également, c'est que les particuliers, ils font toujours ce qu'il ne faut pas faire. Quand la bourse monte, ils veulent tous acheter. Quand la bourse baisse, ils veulent tous vendre. Et Tony Robbins, il s'est basé sur une étude où il montrait que, en fait, à chaque fois qu'il y avait un crack, le marché remontait après. Et que, en fait, si on ne vendait pas durant ces périodes de baisse, on pouvait générer une performance positive. C'est intéressant, ça.
L'autre point intéressant, c'est que même en achetant au pire moment en bourse, c'est-à-dire au sommet, eh ben, la performance restait toujours positive sur le long terme. C'est-à-dire que la bourse, elle est structurellement haussière. Et en fait, en investissant en bourse, on investit sur quoi? On investit sur la croissance, on investit sur l'innovation, on investit sur le potentiel de l'économie. D'accord? Et bien évidemment, c'est intéressant l'économie américaine parce qu'on voit bien que les gars, ils ont toujours les cerveaux de la planète, les dernières innovations. Mais on peut également, et c'est quelque chose que je vais vous enseigner, diversifier au niveau international. C'est-à-dire aller sur les endroits où ça va se passer. L'Inde, par exemple, l'Asie, le Brésil, la Russie, on peut, l'Europe, d'accord? On peut diversifier ses placements au niveau international. Et ça permet d'éviter le phénomène Japon. Est-ce que vous connaissez le phénomène du Japon? En fait, le Japon, dans les années 80, on a eu un marché haussier, d'accord? Et puis, les années 90, depuis les années 90, le Nikkei, il n'a jamais redécollé, il n'a jamais retrouvé ses précédents niveaux. L'intérêt de diversifier au niveau international, c'est d'éviter ce phénomène. D'accord? Est-ce que vous avez des questions à me poser? Et ensuite, je vous libère. Voilà, je voulais juste effectivement faire ce petit point. Je pense que c'est important d'être indépendant. Je pense que c'est important de s'éduquer financièrement. Je pense que l'ignorance financière va vous coûter cher. Le fait de ne pas maîtriser les marchés financiers, le fait de ne pas placer son argent intelligemment, ça va vous coûter des centaines de milliers d'euros à la fin. D'accord? Et ces centaines de milliers d'euros, voire ces millions pour certaines personnes, ça aurait pu être un plus pour vous, pour votre famille, pour les personnes que vous aimez, et ça aurait pu assurer vos arrières. Vous voyez ce que je veux dire? Et en ayant ces connaissances, et ça c'est quelque chose que je vais bien développer dans la partie effectivement TKL Bourse, en ayant ces connaissances, ça vous permet de prendre pas mal de recul et surtout de ne pas tomber dans le piège des conseillers financiers, des banques et bien évidemment de cette industrie où il y a un énorme marketing, où il y a une puissance de feu de malade et où le particulier il est perdu. Il n'a pas cette puissance, il n'a pas ce recul, il n'est pas capable d'avoir sa propre opinion. Ok? Alors Kevin, les ETF c'est un excellent début, mais dans la partie bourse vous allez voir que c'est pas que ça, c'est beaucoup plus que ça. Mais les ETF, c'est déjà énorme. C'est-à-dire, vous faites que ça, vous battez déjà 96% des gérants de portefeuille. C'est énorme. D'accord? Après, je vais vous parler de la diversification, comment on diversifie. Je vais vous parler de comment se couvrir. Je vais vous parler de stratégie spéciale pour effectivement profiter des mouvements puissants des marchés financiers. Il y a plein de stratégies que je vais vous développer. Mais s'il fallait retenir qu'une chose, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez même pas besoin d'un conseiller financier. Et en investissant sur le marché, vous pouvez faire mieux que de nombreuses gestions. Maintenant, bien évidemment, il y a pas mal de choses et ça, je vais vous les développer dans pas longtemps. Ok? Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais vous libérer, je pense. En tout cas, merci infiniment. Alors, je veux un max de love. Max de love pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Beaucoup de boulot. Pour ma part, je suis très content. J'ai plein de retours positifs par rapport à TKL LFA. C'est magnifique. J'espère que cette formation, elle va vous changer la vie. Elle va vous permettre de voir et de viser haut, de faire des choses énormes et de devenir une meilleure version de vous-même. D'accord? Je me donne corps et âme pour que cette formation soit un succès. Je veux que cette formation soit un succès parce qu'effectivement, je pense que c'est important. Et puis, la liberté financière, ce n'est même pas un luxe. C'est une chance et c'est un pouvoir. D'accord? Merci l'amour, vous êtes le meilleur, ça me fait plaisir. C'est un pouvoir et c'est comment dirais-je, et ça vous donne un avantage énorme parce que, par exemple, vous avez quelqu'un de votre famille qui est mal, qui est malade, qui a besoin, c'est important effectivement d'être capable de les aider. Et malheureusement, effectivement, quand on est piégé par la rat race, quand on est piégé financièrement, c'est très difficile de le faire. Mais quand on est libre financièrement, quand on a suffisamment de moyens, c'est important parce qu'effectivement, on peut aider pas mal de personnes. Voilà. Merci Loubna. Bon, j'espère que vous avez aimé. Un max de love. Un max de love. Un max de AA si vous voulez, mais un max de love surtout. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci Youssef. J'espère que tu vas bien. Comment ça se passe Youssef?
Merci Mohamed, j'espère que tu vas bien. Yes, c'est le plus important, il faut apporter de la valeur. Je vous souhaite une excellente soirée les amis. Beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude. Et on va cartonner cette année, TKL LFA. Ça va être géant. Merci beaucoup, excellente soirée.